Good morning, allez, Iden, les tuches aujourd'hui, le Lunishma, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Lachabet, Mazal Tov, Lucienne Batarina, Claude Shlomo, Ben Shalom, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Gitin, Perekret, Mishnah Chet. Ktav, Katav Sofer, Get Laish, Veshovar Laisha. Veta'a Venatan, Get Laisha, Veshovar Laish. Venatnu, Zelaze. Ula Harzman, Area Get Yotse, Miyad Laish. Le chauvard miyad aïcha. Tetsé, mise ou mise, vechol adrachim aïlouba. Rabbi Eliezer omer, im le altar yatsa. Et im le altar yatsa, en zeget. Im le acharzman yatsa, ari zeget. Lo kal aminu min arishon, le abed zechuto shel sheni. Katav le gresh et ishto, ben imlach. Bet shama yomrim, pesala min akiyona, ou bet ilal omrim, av al pishen atnou la al tnaï. On a deux sujets dans notre Mishnah. Un premier sujet qui concerne encore les packs des misères pour une femme qui se marie trop vite, avec à présent une situation très 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 violente. On a ici un sofer, on est parti le voir, moi avec ma chère femme, que jamais ça nous arrive, femme de shalom, pas sur le sofer, on a dit bon ça y est, on divorce, écris-moi un get pour que je l'écrive, et prépare aussi le chauvard de la Ktouba. Le chauvard, c'est le reçu de la Ktouba. Comme ça, je vais lui payer tout de suite sa Ktouba. Elle me donne le reçu, et shalom à l'Israël, c'est fini, on ne se connaît plus, je ne lui dois plus rien, j'ai tout payé ce qu'il fallait, et comme ça, on est content. Ça y est, on refait notre vie. Chacun va repart de son côté. Donc maintenant, on donne au sofer, on le paye comme il faut, il écrit un guet, il fait signer les témoins, il écrit un chauvard, donc on a dit, c'est le reçu. Il écrit, il fait signer les témoins, il plie tout ça, tac, il les roule, le petit truc. Et puis, il nous appelle, deux jours après, il nous dit, ça y est, c'est bon, tout est prêt. Moi, j'amène la petite valise avec tout ce que je me suis engagé de payer pour la Ktouva à madame. Et sur le moment, il me donne le guet, il lui donne le chauvard. On transmet, moi, je lui transmets, je lui dis, allez, arrête mes gourechettes, li begetze, je lui donne le guet. Elle me donne le chauvard, ça y est, je donne la valise, on a fini. La vie continue. Je vais refaire ma vie. Elle va refaire sa vie, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et puis un beau jour, elle ouvre le guet qu'elle a reçu. Elle montre à son mari, regarde le guet qu'on avait écrit. Elle ouvre, elle regarde qu'elle a le chauvard. Elle a le reçu dans les mains. Elle me passe un coup de fil. Je lui dis, dis-moi, tout va bien chez toi, tu peux ouvrir le chauvard que je t'ai donné. J'ouvre et je regarde que j'ai le guet. Vous avez compris ce qui s'est passé? Quand le sofer, il m'a donné à moi le guet, et à elle le chauvard, que moi je lui ai donné le guet, et à elle, elle m'a donné le chauvard, mais il s'est avéré que c'était le contraire. À moi, il m'a donné le chauvard, et à elle, il lui a donné le guet. Et quand j'ai donné le chauvard, j'ai pas donné de guet, j'ai donné un chauvard, et lui, elle m'a donné le guet. J'ai jamais divorcé ma femme. Elle est partie sur avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants en route, tous des mêmes érimes. C'est ce qui s'est passé. Alors sur ça, la Mishnah nous dit, il n'y a rien à faire. C'est une femme qui s'est mariée, rétroactivement, sans lire son guet. Tout le pack des misères qui sont évoquées dans la Mishnah et lui tombe sur la tête. Elle devra divorcer de lui, recevoir un guet de moi, les enfants qui, si jamais je la reprends en tant que femme. Je dis à elle finalement, mais tu sais quoi? Allez, plante-le et reviens vivre avec moi. Rien du tout. Si j'ai des enfants avec elle, ce sera des mêmes érimes. Les enfants qu'elle va avoir avec lui, ce sont des mêmes érimes. Elle n'a plus aucun droit, ni de lui, ni de moi. Elle est catastrophe. Tout ce qui a été évoqué dans la Mishnah, ça s'applique sur elle. D'accord? On fait ça déjà dans les mots. C'est déjà le premier tiers de la Mishnah. Katav sofer get laish. Un sofer a écrit un get pour le mari. Le shovar laisha est un reçu pour la femme. C'est-à-dire, il lui a préparé un get, il lui a préparé un reçu pour qu'ensuite, quand on divorce, je lui donne, elle me donne, on a fini et c'est fini. Veta'a, et il s'est trompé. Venatan get laisha, veshovar laish. Et il a transmis le get à la femme. Et le shovar à la femme. Venatnu zelazé. Et un, il a transmis à l'autre. Arrête mes gourechettes. Oleacharzman. Et longtemps après. Arrête aget yose miyadaish. Le mari regarde qu'il a le get dans la main. Veshovar miyadaisha. Et la femme regarde qu'elle a le shovar dans la main. Donc on a compris qu'en fait, le sofer s'est trompé. Il a donné les mauvais contrats à elle et à moi. On s'est inversé. Eh bien, tetsé, misé ou misé, elle devra divorcer de l'un et de l'autre. Vechol adrachim ailouba. Et tout le pack des misères évoqués dans le Mishnah seront applicables sur elle. Maintenant, on va découvrir une achloket. En réalité, Rabbi Eliezer, il va limiter ce chidouche. Rabbi Eliezer, Omer, im le altar yatsa,
Enzeget. Imlacharzman yatsa. Rabbi Eliezer, il va te dire, attends. Si c'est immédiat que vous réalisez la catastrophe, ouais, imle altar yatsa. Si c'est immédiat que c'est sorti, c'est-à-dire qu'on a ouvert le guet et qu'on a réalisé le temps qu'elle s'est parlé avec quelqu'un d'autre, alors effectivement, tu as raison, redonne le guet. Et si elle a eu un enfant extra-conjugal entre-temps, effectivement, eh bien, ce sera un enfant mamzer et tout ça. Mais par contre, imla harzman, il y a ça, par contre, si c'est plus tard, une fois qu'elle s'est remariée, elle est mariée maintenant depuis 12 ans avec un nouveau mari, et puis un beau jour, elle ouvre le guet, et elle réalise qu'elle a en réalité le guet dans la main, qu'elle a le chauffard dans la main, et moi j'ouvre le, et ainsi de suite, comme ce qu'on a expliqué, eh bien non. Il pense à Benezer que Arizé guet, c'est un bon guet, parce que l'okol hemenu minarishon la bet zechuto shelcheni. Il n'a pas la possibilité, le premier, de faire perdre le droit au mari. J'explique sa phrase de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, en deux mois, il me dit, écoute-moi, si la situation arrive, il n'y a pas lieu de croire la femme. On ne la croit pas. Peut-être qu'en réalité, moi, j'ai fait un coup avec elle pour qu'elle divorce de ce mari. Imaginez en réalité. Imaginez un autre scénario. Imaginez qu'en réalité, après, je vous ai expliqué que dans le doute, on va peut-être soupçonner qu'on est en train de faire un trafic, moi et mon ex, pour qu'elle divorce de ce mari. Parce qu'elle ne veut plus être mariée avec lui, il ne veut pas lui donner le guet, elle a peur qu'avant de l'affronter, elle préfère faire un coup en douce. Imagine un autre scénario. En réalité, j'ai donné le vrai guet à la femme, à ma femme. Et moi, j'ai reçu réellement le chauvard. Après quelques années, on s'est rencontrés, puis on aimerait bien se marier maintenant. C'est un peu gênant qu'elle va divorcer avec lui, et pas après elle va revenir avec moi. D'abord, ça, entre parenthèses, une fois qu'elle s'est mariée avec lui, elle n'a plus le droit de revenir chez moi. D'accord ? Le droit de revenir chez moi parce que c'est mes forges dans la Torah. Quand on écrit le guet à sa femme, une fois qu'on a un divorce, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne peut plus revenir chez son mari. Mais c'est un interdit, comme le Tosfot Yom Tov nous le rapporte au nom de Tosfot, c'est un interdit que les gens se le permettent malheureusement, comme beaucoup de gens se permettent plein de choses, c'est aussi un interdit que les gens se permettent. Donc peut-être, on va soupçonner que peut-être qu'en réalité, on a fait un truc. On est en train de faire une tourloupe. En réalité, elle a divorcé. Je l'ai rencontrée. On est parti se boire un café ensemble. Elle me dit, ouais, j'en ai marre de mon mari. J'aimerais bien revenir avec toi. Et je lui dis, alors vas-y, viens, on passe à l'acte. Elle me dit, mais comment je vais faire maintenant? Elle a des enfants en route. Elle a tout un truc. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors on s'est dit, tu sais pas, viens, on fait un truc. Je te rends le guet. Et tu donnes le chauvard. Et on fait comme si, qu'en réalité, on s'est trompé. Et comme ça, après, on va. Bah, rien à faire. Il va être obligé de te divorcer, de donner le guet, sans que tu te fasses passer pour une mauvaise femme, une frivole. Et comme ça, après, tu reviens chez moi. D'accord? C'est aussi un scénario possible. Nous, maintenant, nous, on n'en sait rien. Le mari découvre un beau jour que sa femme, elle est en pleurs. Elle lui raconte que la catastrophe, elle a découvert qu'en réalité, elle a le guet qu'elle a jamais. Elle a le chauvard, donc elle a jamais donné le guet et tout ça. Là. Le mari. Lui, il n'est pas obligé de mordre à l'hameçon, même si sa femme, il la croit, il a, en général, elle est savoir, une femme, elle est rusée, quand on a des idées derrière la tête, on ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. Toi, si jamais tu dis, moi je ne crois pas, c'est pas une histoire j'accepte, c'est du mytho votre histoire, moi je ne redonne pas de guette, tu restes ma femme, maximum tu es une femme mariée, ben, qu'à part à vos notes, tu resteras ma femme. Le mari, il est dans son droit de laisser dans cette position, on n'a pas lieu de craindre n'importe quel soupçon stupide. C'est assez dur à accepter si vous réfléchissez à la question, parce que non, peut-être qu'en réalité c'est tout. Mais c'est les principes de. Une fois que les choses elles ont été fixées et établies, on ne soupçonne pas qu'il y a eu autre chose qui s'est passé. Sinon, on aura. D'accord? Chaque fois, on a donné un guet, on a divorcé une femme, on ne va pas commencer à soupçonner que peut-être que le guet il n'est pas bon, et ainsi de suite. D'accord? Ça a été fonctionné à l'époque, ça a été mourzak, comme si qu'il y avait un bon guet, il n'y a pas lieu de croire qu'on a mal fonctionné. C'est fini, on ne peut plus soupçonner sur ce qu'il y a eu. D'accord, c'est la vie de Rabbi Eliezer, et la halakha est retenue comme Rabbi Eliezer. Comme nous dit le Barthénora, la halakha est Rabbi Eliezer. Ensuite, dernier petit sujet de la Mishnah. Ketav legeret et tishto venimlach. Maintenant, nouveau sujet qui n'a plus aucun rapport avec l'histoire. On a un mari qui a écrit un guet, un mari Cohen. Ou même pas Cohen, en réalité. Il a écrit un guet pour divorcer sa femme. Ketav legeret et tishto venimlach. Après, il a regretté, il a dit, bon, c'est fini, non, je ne vais pas la divorcer. Donc il a déjà écrit un guet. Bet shamayim rim. Salamina Keuna, Bet Shammai pense qu'il a invalidé à la Keuna, et Bet Hillel me dit non. Bet Hillel Omrim, Avalpi Shenatano la Atnaï, même s'il lui a déjà donné avec une condition. Velona Satnaï, et la condition n'a pas été remplie, l'Op Salamina Keuna, il ne l'a pas invalidé pour la Keuna. J'explique de quoi on parle, c'est très simple. Vous savez qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, mais un Cohen a le droit de se marier avec une veuve.
On va prendre le cas de Beth Hillel, comme ça on va comprendre l'ampleur, après on va revenir sur Beth Shammai, ce sera plus facile. Imagine maintenant que je vais divorcer ma femme, mais à condition. Je la divorce, à condition que dans, comme on a vu toutes les conditions qui ont été évoquées dans le périple précédent, à condition que dans 30 jours, je ne suis pas revenu, mais si jamais... Peu importe, je te donne ton guet, t'es divorcé, mais à condition que tu m'amènes une glace dans les 30 jours. Elle ne m'a pas apporté une glace dans les 30 jours. Le guet s'annule. Quelques temps après, 3 mois après, monsieur meurt. Sa femme devient veuve. Est-ce que cette veuve-là a le droit de partir se marier avec un Cohen? Ou pas? Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a été divorcée un jour dans sa vie, même si elle a été mariée 10 fois et qu'après elle est devenue veuve aussi. Mais si elle était divorcée une fois dans sa vie, elle n'a plus le droit. Là, elle a reçu un guet. Elle a déjà été divorcée. Finalement, le guet s'est annulé. Donc, il s'avère qu'il n'y a jamais eu de guet. Donc, en fait, Beth Hillel me dit, bah, écoute, il n'y a jamais eu de guet. Donc, la femme a le droit d'aller se marier avec un Cohen. Elle est veuve, elle n'a jamais été divorcée. Ça, c'est la vie de Beth Hillel. Beth Shammai, lui, il te dit non. À partir du moment où tu as même écrit un guet sans intention de le donner, ça y est. Tu as déjà fait ce qu'on appelle un réacha guet. Il y a déjà eu une odeur de guet sur cette femme. Donc, elle devient midrabanan, interdite à se marier avec un Cohen, à cause d'un soupçon, une trace de divorce qui est invalide. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tuv Sela.